Et bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de notre 15e mission en coop sur Icarus, Luzen Extermination, et aujourd'hui avec Krios, Capo et Lodos, on cherche toujours de l'or. Allez, en route. Alu. Alu, platine. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à le débloquer. C'est où l'antibio ou c'est là-dedans? J'ai remis des bâtons. Le talent conversion du bois débloque la capacité de transformer le bois en bâton. Moi j'ai les 3 points de rendement du bois. Alors. Il n'y a pas d'autres embranchements normalement pour le débloquer, mais j'arrive pas à le débloquer. Ah non, non, mais c'est. Attends. Là, c'est charbon. Hein. C'est à gauche, c'est dans ressources. T'as juste ouais. Le. Ah non, mais il faut que tu sois niveau 1. Faut que t'aies passé, que t'aies la petite accolade niveau 1. Donc, il faut que tu prennes d'autres trucs pour avoir la petite accolade niveau 1. Oui, d'accord, ok. Ok. Donc, ça tourne. Ok, c'est bon. A lancé. Relancé oula aussi. Je sais qu'il a lancé 50 aciers. Moi, mais j'avais pas vu qu'il en avait lancé 48. C'est pas 78 que t'as dit? Attends. T'as dit 78? Non, non, non. Non, 78, c'était le fer qu'il faudrait pour faire 13 pattes. Donc là, il en faut juste 6 de plus. Ok, bah j'ai annulé de l'autre côté, j'en ai 7. Hein? J'en avais 7, il en faut 6 de plus, il en faut 13 en tout. Ouais, et il en avait pas lancé, Capo, il y a 2 secondes, j'ai vu qu'il en avait lancé. Quoi? Ah non? Ah tout non, il avait lancé que de l'époxy. Pardon. Oh, je le remets en bas. J'avais lancé que de la sève d'arbre et de l'époxy. C'est pas moi. Du coup, faut remettre un peu de fer. Ah bah t'en as remis à cramer du fer déjà. Ah oui, c'est au voyage de tout à l'heure. Là, j'en ai pas remis là. C'est au voyage de tout à l'heure que j'en avais remis. D'accord. Et là, j'en ai encore un peu que je vais remettre. Ça. Dans le creuset, il y aura un petit peu de fer en rab, si besoin. Je commence à préparer les trucs pour... c'est l'acier qui me manquera. Ah, qui c'est qui a pris l'acier? Qui c'est qui prend toute la place? C'est Krios. Est-ce que j'ai là? J'ai rien là. Déjà ça. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, 8 de cuivre. Cuivre. 8. Tac. Attention, qui est là? Krios, est-ce que tu peux te décaler sur ta gauche? Éventuellement. Si je le mettais là, ça prendrait moins de place. Voilà. Ok, biofuel composteur, il est prêt. Il faut mettre du trisap dedans. Et du... Et de la fibre ou du stick. Je vais mettre déjà... Du trisap. Ouais, du coup, le fer, il va pas être de trop. Qu'est-ce qu'il nous faudra déjà pour le biofuel extractor? 10 d'or, 30 de fer, 20 clous en cuivre, donc ça va. Lui, c'est 12. Ah, 2 de glace, 2 de verre. Ou 10. Donc il faut qu'on ait 20 lingots d'or. Lingots d'or, c'est 2 pour 1 ou c'est 1 pour 1, je sais jamais. C'est 2 pour 1, je crois. Ouais, 2 pour 1. Donc 40 d'or, il faut qu'on trouve. Il restait de la silice. Oui.
L'acier s'est posé. Est-ce qu'il y a de l'époxy en rab? Il y en a dans le mortier du bas. L'alu, ça va pas faire assez en alu. Ouais, encore qu'il perd plus d'alu aussi. Parce que du coup, tu payes la moitié, ça veut dire 9 d'alu, 3 x 9, 27. Ça sera... Non, il m'en manquera un tout petit peu. Ça, c'est bon. Un lingot de cuivre. Ça sera bon. Oula, il y a beaucoup de bois ici. Hein. Beaucoup de bois ? Ouais, dans l'atelier, il y a beaucoup de branches. Ah, ouais. J'ai pris, c'est bon. Mais tu peux les mettre dans le biofuel composteur maintenant, les branches, il y a dans plein. Le doute. Il est plein. C'est le dame en cours. Par contre, il est trop plein, en fait. Ouais, il faut toujours laisser au moins un emplacement pour... Juste pour pouvoir remplir. Mais, ouais. Je te relance du trisap aussi. J'ai relancé 200 trisap. J'en ai relancé en haut. Ouais, bah comme ça, il y en aura. 16h48. On va peut-être pas aller dans le désert maintenant. De toute façon, faut me laisser un petit moment que je fasse nos armures à moi et à Cabo. Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais je parlais pour aller chercher l'or. Ah. Mince, j'ai pas compté le nombre de cordes qu'il me fallait. Alors, je vais faire ça déjà. À la limite, on peut aller voir jusqu'au conteneur, voir ce qu'il demande, comme ça on a la liste. Destroy the Reactive Containment Unit, donc c'est pareil, je pense, que dans la mission qui arrive, comme ça on sait ce qu'il faut ramener. Ouais, 2 secondes. Je répartis un peu la nourriture périmée parce que sinon ça. Du coup, qu'est-ce que j'attendais moi? Juste le. Un peu plus de fer là-dedans. Comme ça, il y aura tout. Il faudra 8. 8 clous. Ah, 12 plus 15. Non, il faut que j'en prenne 15 ou 12. Hop. Je suis en train de stocker hein, tout ce qui est lingot pour faire la suite. Hein, donc, vous étonnez pas si vous en voyez. Mais non. Non, si c'était toi et toi. 12 plus 15, tout va bien. Ah non, il m'en manque encore 15. Je sais pas compter. On en veut 2. Ok, là je sais compter. Quelqu'un aurait un tout petit peu de cuir. Dans la la table de maçonnerie. On a un petit peu beaucoup. Ouais, moi je vais prendre ça et je remettrai après. Les couilles, il en reste que 4. On prend. Ok, Capot, ton armure est prête. J'arrive.
Voilà, j'ai juste à reposer tout ça. Tu vois, Capo, quand tu dis pas où est mon armure, t'as une armure. Quand tu dis où est mon fusil, t'as pas de fusil. Mais oui, mais il est où mon fusil aussi. Et par contre, sur l'époxy qu'il y avait, il en reste plus que 10. Hein. Ouais, j'en lance en haut. J'en relance un petit paquet en haut. 34. Oh, Krios, tu devrais pouvoir nous lancer si on te fait les cordes, c'est juste ce qui va te manquer. Ah, je viens d'en éclater 40 cordes, il en faut d'autres. J'ai mis de la fibre dans la. Oh ouais, je récupère. De fibre dans la. Ouais. Je récupère. Dans t'inquiète, t'inquiète. Il y en haut hein, si t'as besoin. Voilà. L'époxy, combien il lui en fallait déjà? 12 époxy. Est-ce que t'as 12 époxy en haut? Ah oui. Oh, en bas, il en restait 10 encore, donc. En haut, il y en a une centaine. Ok, toi, tu veux qu'on se fasse des pompes en fait. Krios, ouais, je t'ai mis tous les ingrédients pour que tu puisses faire 3 arcs recourbés dans la machining bench. Si le cœur t'en dit. Ils sont faits. Ils sont faits ? Ils sont lancés. Seulement. Ouais, Krios, il en veut pas. Ah, d'accord. Et ben moi, je prends le mien. Il nous reste, ben, ouais, il reste 7 lingots d'alu. Bah, ben, un arc d'atelier, puis. Je vais garder l'autre en cas de nécessité. C'est ça, pareil. Bon, il est suffisant. De toute façon, normalement, ce soir, dès qu'on a fini cette mission, j'ai la prochaine. Mais je veux dire, il va pas péter, sa durabilité ça va? Elle est à fond. Ah ok, d'accord, il a pas bougé. Ah, ben dis donc. Il est à quoi? Même pas 10% de partie. D'accord, donc wow. Il tient bien, ok. Ah, le temps qu'il y a cette tempête qui passe, qu'après on passe la nuit, je vais faire une petite escale technique et je reviens tout de suite. Ok. Surveiller quand même que j'ai pas que j'attire pas une bestiole. A tout de suite. Là ça fait 36, et là... Déjà plus de 600 poudres potentielles, 600 voire un peu plus. Ça c'est cool. Bon bah je m'allonge en attendant la nuit. T'as lancé des trucs là? Non. T'as rien lancé là, pas rien lancé. Okay. J'ai la sève d'arbre qui se fait en haut. Ouais, justement, je voulais commencer à lancer des poudres. Je vais récupérer le charbon de bois. Bon, à tout de suite. À tout de suite. Moi j'étais toujours pas sur le stream, j'étais encore sur la map. Alors là j'ai un paquet de vin. Merci. Alors que je pense aussi à refaire. Allez, les 400 premières poudres sont lancées.
Heureux tout le monde. Ah bah voilà. Pile poil quand la tempête se finit. Ah, ça va, tout s'est bien passé en mon absence. Bon oui, le chat est super calme. Oh oui. J'ai déjà lancé les 600 premières poudres. Yes. Ça fait 100 balles de pompe si jamais on fait des pompes, ça. Ouais. Faudrait que repartir, que je reparte à la chasse à la bouffe périssable. Moi, je rajoute deux canisters. Comme ça, ça nous en fait 4. On a de quoi faire le roulement. Ouais. Je vais devoir reprendre des bâtons. Parce qu'il y a beaucoup de bâtons. Hop. À la limite, je relance du trisap. Voilà. Et je me couche. M'attendiez pour dormir. C'est bon. Good morning. Good morning, everybody. Est-ce que tu pourrais prendre moi deux morceaux de viande sur toi? Deux morceaux de viande? Ah, un petit peu de viande. Genre un peu. Ah, pour... un petit stack de bacon, le plus petit, et puis. J'ai pris un stack de viande basique. Je vais prendre le petit stack. Non, c'est pas le gros, le petit. Le petit stack de viande de bacon. Et je vais prendre la viande séchée aussi. Par ouais, à la limite, espérez-moi moins vite. Ça. Ouais. Avec ça, il faut qu'on. Faut qu'on trouve des bestioles à faire sécher. Hein. Ouais. Et on va. On va direction le désert dans. C'est quoi, on va en conteneur, comme ça on voit ce qu'il faut déposer, puis en remontant on passe par les grottes qu'on connaît. Oui, bien sûr. Ouais, allez-y, faites votre vie. Vous occupez pas de nous. Et vous essayez de trouver des bestioles qui ont de la viande, de la prime sur eux. T'as pris des antibio? Ouais, j'ai pris des antibio. Ah, yes. J'allais faire demi-tour. J'en ai 4. Au passage, hein, si on croise des baies, faut pas hésiter à les ramasser. Il y a des pattes de régénération d'endurance aussi, c'est une idée. Bon, ça devrait aller. Je vais éviter. Bon, ok. Est-ce que t'aurais pas ta lampe torche d'allumer? Non. Non, elle était éteinte. Il y a comme un halo de lumière derrière moi. C'est pas moi. Je ne sais pas. Ça donnait cette impression. Par contre, il me faut une baie de seconde. J'ai pas mon quatrième bonus. Ça me chagrine un peu. T'es parti où? Moi, j'ai suivi. J'ai suivi la route. T'as les arcs qui ont tes cheveux, Fritz. Oui. T'as ton arc. Tu as ton arc dans la machining bench. T'as récupéré ta tenue, c'est bon, hein? Non plus, moi. Je suis plein sud en fait. Ouais, je t'ai vu, je t'ai revu. C'est pas français, mais c'est pas grave, tu m'as compris. Si, je t'ai revu, c'est français. Ouais, machining bench. Bah, tout est au même endroit, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ça, c'est un ours. Ouf, ouais, oui, je le vois. Je pense qu'on va quand même l'éviter. Pas prime à la clé, hein. Ouais, mais le temps qu'on aille dans la grotte et tout, on va revenir, il sera. Espérimera. Bah, si je les prends, ça devrait tenir. Ah ouais, remarque. Bah attends, je récupère le loup là qui était là. Et on va se le faire. Ok. C'est parti. Bah le loup, il a de la prime. Ouais, normalement, il a de la prime. Le loup, il en avait. L'ours. Ah, le loup, il en avait. D'accord. Ouais. Il est où le nounours? Le loup. De la prime, là où je regarde. Ouais, enfin, je l'ai. J'ai pas sa tête. C'est ça qui m'énerve, j'ai que son gros potin. J'aurais bien voulu lui mettre une tête avant. Oh, le one shot sur le buffle, ça peut. Ah! Il m'a coincé.
J'ai un saignement. Non, c'est une... Il est mort. 6002. Mes flèches. Je te laisse le dépecer. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? T'as dû récupérer quelques-unes de mes flèches. Oui, c'est possible. C'est possible. Désolé. Ah oui, oui, j'ai des flèches. Comment ça se fait que t'as des flèches au level? Que j'ai mis des points dedans, tiens. Ah, j'en ai une en fait. Ah, bizarre. Pourtant, il y en avait plusieurs. Non, non, mais c'est bon. Non, mais tiens, je te la rends et puis je te rends surtout la viande que je vais récupérer sur le. Ah oui. Sur le loulou. Surtout que j'en ai pas beaucoup de flèches. Ah bah attends, je peux m'en refaire maintenant. Ah mais non, je peux pas. Il manque des bâtons. J'ai pas de bâtons. Je peux tirer des bâtons. Je peux tirer des bâtons, ça c'est pas un problème. Ouais, je veux bien. Et où? Je vais derrière toi. Tiens, ça devrait suffire. Merci. Tac. Tac. Voilà, là c'est bon. Je me sens un peu plus serein avec quelques flèches de plus. Moi je suis parti avec 100 cailloux. Oh, très utile. Pardon ? J'ai pas compris. T'es parti avec ou sans ? Avec 100 cailloux. Ok. Qu'est-ce qu'il nous a dit, ça, chameau ? Là, je dois chauffer, je la bouille. Ah oui, t'as fait un bond en arrière là. C'était trop bizarre. Il y a encore. Ah ouais. On choisit toujours les jours les plus chauds pour jouer avec Icarus. Et encore, ça va un peu mieux depuis que j'ai remplacé mon refroidissement de mon CPU. Yes. Je l'ai foutu à l'envers. Ouais, il y a plus de viande sur le séchoir, hein, viens. Ah, il y en avait vraiment pas beaucoup et j'avouerais que je les ai tous pris, j'aurais peut-être pu vous en laisser une ou deux. Je suis en train d'en ramener. T'inquiète. La filandreuse. Ouais, j'en ai 11. Ah bah voilà. Oh, il y a un caillou qui vole. Tu l'as vu? Ah non, j'ai pas fait gaffe. Ah, il y a du. La silice qui vole. D'accord. Sable moyen. Ça va piquer les yeux, ça. Oui. On va peut-être trouver une grotte d'ici là. J'espère. Parce que le sable moyen, il va piquer un peu. Hein. Elles sont synchro maintenant, les. Les tempêtes. Ouais. Vous en avez une aussi maintenant? Ouais. Ouais, qu'a démarré au moment où vous en avez parlé. D'accord. Bah. Alors, est-ce qu'ils ont changé ça histoire que tu puisses plus échapper à une tempête en changeant de biome? Là, l'audace, si on continue vers l'ouest, c'est là où il y a la... Je pense la... Ouais, la grotte qui est au fond d'une crevasse. Et tu te souviens? Ouais. Puis pendant la tempête, la stam, qu'est-ce qu'elle est longue à remonter? Ouais. Comment on n'y voit pas à 2 mètres? Ouais, on a déjà fait un quart de la jauge et le rouge n'est pas arrivé encore. Ah ça y est, je suis... je descends dans la grotte. Okay. Des flèches de sang. Ah bah, Yous, du coup. De quoi? Comme t'en fais beaucoup, toi, des flèches d'os, t'en as en temps normal. Ouais, attends, tu... Merci.
Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.